Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle mise à jour du projet Mythomène. Comme vous savez, depuis le début, on essaie d'être le plus ouvert possible sur nos méthodes de production, sur nos outils, et on a décidé d'aller un cran plus loin. Et pour ce faire, nous sommes allés à Bruxelles au Parlement européen. On s'est levé très tôt pour aller rencontrer la députée européenne Julia Reda, faire de lance de la réforme du droit d'auteur. Je vais lui laisser quelques instants pour vous expliquer pourquoi c'est important de réformer le droit d'auteur et qu'est-ce que ça va changer. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous dire... Comment ça va influencer la suite du projet Mitomene? My name is Julia Reda. I'm a member of the European Parliament for the German Pirate Party and my goal is to reform European copyright. The internet has uh, changed the possibilities that we have to interact with culture there is a vast number of people who are freely exchanging their culture their art their music over the internet and the way that we learn to create new things is usually by imitation at first so for example if you're learning uh, to play an instrument you start by imitating what somebody other has uh, played before you and then you experiment a bit more unfortunately the copyright law is limiting these possibilities of learning and uh, becoming uh, better at creating your new art because every act of copying on the internet uh, can be considered a copyright infringement. So I think it's important that there is a lot of uh, culture out there that is released under free licenses and also that we uh, work on improving our copyright system to bring it into uh, the digital age and make sure. That uh, people who just want to exchange culture and who uh, want to transform and remix have the possibility to do so. The laws for copyright on a European level are from 2001, and since then people are trying to reform them. Uh, the law is always going to be a lot more slow than the technological and the social progress in society. So it's very important that we don't wait for uh, everything to change through the normal legal process, but also use uh, tools like Creative Commons to be able to remix and uh, to share our works today. Comme vous pouvez l'imaginer, le point de vue sur le droit d'auteur de Julia Reda est très mal perçu par les ayants droit européens et encore plus les ayants droit français, dont les lobbies ont bourré le crâne de nos sénateurs qui ont excessivement mal reçu mademoiselle Reda quand elle était venue défendre son projet de loi en mai dernier. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dès qu'il y a un changement, on a tendance à être contre. Et alors que nous, on aurait plutôt envie d'être pour, pour le remix, pour l'échange, pour cette nouvelle énergie créative qui émane de la nouvelle technologie et du numérique. Et pour ce faire, on a décidé d'accroître notre ouverture et d'aller encore plus loin avec deux choses. La première, c'est que tous les scripts que je vais créer pour After Effects lors de la production du film seront mis en open source. C'est-à-dire que n'importe qui pourra télécharger le code, le modifier et l'adapter à ses propres besoins afin d'en faire une version qui lui paraîtra mieux, ou en tout cas qui répondra plus à ses besoins, voire même corriger les erreurs qu'il y aurait dans notre version pour que toute la communauté puisse en bénéficier. Donc tous les outils qu'on va développer seront mis au fur et à mesure euh, en open source sur GitHub. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que l'univers, une fois le film terminé, sera placé en Creative Commons. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que n'importe qui, pourra euh, écrire des, des romans, euh, réaliser des courts métrages euh, ou des petites vidéos, euh, utiliser notre univers pour raconter des histoires et raconter des autres objets. Il n'y aura pas besoin d'avoir notre autorisation pour pouvoir utiliser les personnages du film dans un autre projet. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental dans cette ère euh, du remix et du partage et, euh, et d'Internet. Si vous venez de voir un point de montage, c'est que je viens de supprimer, de supprimer ma petite blague et ma petite pique contre Twilight et euh, Fifty Shades of Grey. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai ravi de vous retrouver jeudi pour une mise à jour spéciale Thanksgiving. Effectivement, en Europe, on ne fête pas trop Thanksgiving, mais pour nos amis, amis américains, c'est un jour très important. Donc, il y aura quelques petites nouveautés, quelques petites surprises. D'ici là, Portez-vous bien, partagez le message, continuez, ça nous fait chaud au cœur à chaque fois qu'on vous voit euh, retweeter, repartager sur Facebook, euh, euh, repartager des articles qui ont été écrits sur le projet. Plus on est de fous, plus on rit. N'oubliez pas à motiver vos amis pour nous rejoindre et je vous dis à jeudi. À ciao à tous